Bien fort. Il y a 60 ans, aujourd'hui, nous étions jeunes, enthousiastes, fragiles et forts à la fois, comme vous, devant la vie offerte. Nous ne pressentions pas ce bonheur d'aujourd'hui, ces visages aimés qui nous entourent. Nous ne savions pas que joie et chagrin sillonnent nos routes terrestres. Nous ne savions pas qu'il faut accepter ce qui est, mais ne jamais se résigner devant l'adversité lorsqu'elle se présente. C'est ainsi que l'on progresse, c'est ainsi que l'on grandit. Oui, la vie est une merveilleuse aventure. Vivez-la dans le bonheur, dans l'amour partagé de chaque instant. Nous resterons dans votre souvenir, notre route terrestre achevée. Vous penserez à nous en regardant les étoiles, sans tristesse durable. Vous évoquerez parfois ce que nous avons vécu ensemble et le soleil de Sainte-Livrade sera comme un beau feu d'artifice. Vous êtes les maillons d'une chaîne que nous vous confions pour qu'elle ne se casse pas par votre faute. Et sachez que l'amour a toujours le dernier mot. Un petit mot, parce qu'il y a des gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu les difficultés, qui s'en sont très bien tirés, admirablement, et on va aussi penser à eux. Alors, Dodo va vous dire quelque chose. Je suis très ému et touché de vous dire... Faut dire de qui, hein. Quelques mots qui ont été écrits par mon grand-père, qui a été déporté dans les camps et qui est mort là-bas. Voilà. Alors, et qui était un professeur de philosophie. Nous écrivons rarement une page de notre vie sans y faire quelques tâches. Notre plume crache, le papier se déchire, il y a des cheveux dans l'encrier. Nous avons fait des tâches, c'est entendu. Mais l'essentiel, à chaque instant, c'est d'en faire le moins possible sur la ligne que nous sommes en train d'écrire. On a dit quelquefois, il faut vivre à chaque instant de sa vie comme si... Non, pardon. On a dit quelquefois, il faut vivre chaque instant de sa vie comme si c'était le dernier. Ajoutons qu'il faut le vivre comme si c'était le premier, comme si nous n'avions rien gâché, comme rien perdu jusqu'ici, comme si nous commencions pour la première fois magistralement, avec une plume toute chargée d'or, une page sur une page blanche. Voilà. Bravo. Nous avons fait des tâches. Tiens, voilà les tâches. Je suis balèze pour faire ça. Oh petit Enzo, attention ton père. Hein? Pardon? Oui. La synthèse de cette journée. Donc, on l'a dit, il y a 60 ans, jour pour jour, il y avait quoi? Il y avait Janine, et Bernard. Rien de tout ce petit peuple n'existait ni était soupçonné exister un jour. Rien. 60 ans plus tard, jour pour jour, il y a maintenant Lalus et Papours. Lalus, vous m'avez fait la vie belle. Vous m'avez fait de beaux et de bons enfants. Et pour tout ça, Lalus, je vous aime. Champagne pour tout le monde. Ouais. T'es ridicule, c'est pour rien toi.
Oh là là, putain. Oh, mais... Ah, bravo, arrête, enfin. Oh, merde alors. Poussi, mais dis pas que tu pleures aussi, toi.